suis docteur Yao. Mon faisant des disciples, c'est le pasteur de Benjaville de Gonzague. Il y avait au moins... Vous savez please. Pourquoi je l'ai invité? Do you know why I invited him? Ce frère bien-aimé, this beloved brother, avait été envoûté, was bewitched, après des études excellentes, after excellent studies, de l'école primaire jusqu'à l'université, from primary school to university, en septième année de médecine, on his seventh year in medicine school, ils sont allés au village, they went to the village, au retour. On their way back, il découvre dans son sac deux têtes de poisson fumées. C'était deux de poissons séchés. À partir de cet instant-là, from that moment, il a commencé à fuir l'école. He started running away from school. Quand il veut s'appliquer, il a mal à la tête. When he wants to work hard, he has headache. Jésus l'a délivré authentiquement après 10 années d'errance. Jesus delivered him genuinely after 10 years of strain. Je ne peux pas parler de renversement des principautés sans parler de pareilles personnes. I cannot speak about the overthrow of principalities without speaking of such people. Ce sont des témoignages, des icônes qui sont des témoignages. These are schools that are testimonies. Pour susciter en toi la foi. To raise faith in you. Bon, maintenant tu peux parler. Bien-aimé, 10 ans de souffrance. 10 ans de souffrance. J'avais honte. À un moment, j'avais même voulu me donner la mort. Tellement je souffrais. Je voyais mes amis qui avaient déjà soutenu, qui travaillaient déjà. Et vous voyez, quand l'un passait avec sa voiture, tu veux te cacher, mais là il arrive à te voir. Il dit, doc, il dit, Yao, Laoré. Il dit, oui. Et vous voyez, le diable, l'alcool, la débauche, la cigarette, tout ça, quand tu es dedans, tu es orgueilleux. Il vient devant moi, il me demande, qu'est-ce que tu fais? Je dis, non, je suis en train de préparer ma thèse. Alors que je ne faisais rien de cela. Je me baladais dans Benjerville avec un sachet. J'étais voué être un médecin, mais je soignais des plaies, je faisais des injections, je faisais tout le petit boulot. Et un jour, le Seigneur a dit que ce serait la fin. Et j'ai pu rencontrer le pasteur de Gonzague. Quand j'étais devant lui, il me parlait de Jésus. En tant bien-aimé, malgré toute cette vie de débauche, j'avais été responsable spirituel dans une communauté. Et donc je me disais que je connaissais la Bible, je lisais la Bible, et je lisais même des grands romans de John Wesley, etc. Donc quand le pasteur me parlait, je riais un peu. Et souvent, j'apportais des petites corrections. Et lui aussi, il riait. Et ça a commencé comme ça. Jusqu'à ce que je vienne au renversement des principautés. Et c'était pas, j'avais pas bien fait ça, vraiment. J'étais pas satisfait de mon renversement. J'avais fait 20 jours de jeûne. Et ma bien-aimée et moi, on s'est dit, non, il faut qu'on refasse notre propre renversement. Et on avait pris un CD de pasteur Meyer Boniface qui, à la Riviera, il avait bien expliqué le renversement des principautés. Ce jour-là, il avait un enseignement à la Riviera. Et donc, on passait ce film-là et vraiment, on s'exerçait. Et on a commencé à prier. Pendant la fin de l'année, pendant que tout le monde mangeait, nous, on était dans le jeûne. Et puis, le Seigneur s'est manifesté puissamment. Et un jour, je vais aller vite. J'ai vu un gros monsieur qui était sur une montagne. Et sur cette montagne, il était arrêté et il me défiait du regard. Moi, j'étais en bas. Et il avait un sac en main. Je lui dis, mais ce sac-là, c'est mon sac. Bien aimé, parce que ce sac-là, je me baladais souvent à Benjerville, il avait un petit sac. C'était le même sac qu'il avait en main. Et il dit, oui, j'ai ton sac et puis j'ai ton diplôme en main. Tes diplômes-là, c'est moi qui les ai. J'ai dit, mais ce n'est pas normal, ce sont mes diplômes. Bien-aimé, le Seigneur m'a donné une force. Quand je regarde la hauteur de cette montagne, j'ai commencé à la dévaler. Et puis, j'allais vers le monsieur qui était tout grand. C'était vraiment plus, il était deux fois plus grand que Goliath. Et il avait une petite culotte, tout nu. Et quand je suis arrivé à côté de lui, au fur et à mesure que je courais vers lui, je sentais qu'il y avait une présence à mes côtés qui me donnait la force.
Sinon, vraiment, s'il fallait regarder à mes caractéristiques humaines, ce monsieur-là allait me, vraiment, il allait m'écraser. Et donc, à 2 mètres de lui, j'ai senti la peur en lui et il a fui. Il est tombé dans un ravin. Il est allé dans le ravin avec mon sac. C'était mon sac qui m'intéressait. J'ai sauté dans le ravin et j'ai récupéré mon sac et je suis revenu sur la montagne. Offrande d'acclamation, offrande. Ce sont là les réalités du combat spirituel. Those are the realities of spiritual warfare. Vous voyez, ça ce sont des illustrations pertinentes. You see, these are genuine illustrations. Et écoutons la suite. Gloire à Dieu. Et quand j'ai récupéré mon sac, j'ai eu vraiment quelques temps. Je me suis réveillé et j'ai tapé. Ma bien-aimée, j'ai dit, lève-toi, on a eu la victoire. On a eu la victoire. Et quelques temps après, j'ai eu cette force d'aller faire d'aller soutenir mon doctorat. C'est-à-dire que je devais prendre un sujet de thèse. Je suis allé à Trècheville. Une voix m'a dit, va à Trècheville, va voir tel professeur et il va te donner un sujet de thèse. Bien-aimé, j'ai suivi la voix. Cette même voix-là qui m'a parlé aujourd'hui aussi, quand le pasteur Meyer Boniface m'a téléphoné, il a dit, il y avait une voix qui sonnait, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Quand le massa tombait en panne, j'ai dit, forcément, je vais arriver. On est tombé en panne au moins à 2 ou 3 reprises. Donc, je reviens et je vais voir le professeur, il me donne un sujet de thèse. Bien aimé, j'ai fait la thèse là 2 reprises. Je pouvais donner même un sujet de thèse à quelqu'un, alors que dans le temps, je ne pouvais même pas. Quand je commence, j'ai des maux de tête incoercibles et je ne peux pas faire quelque chose. J'ai fait 2 thèses en moins de 8 mois. J'ai fait 2 thèses et j'ai soutenu mon doctorat, bien-aimé. Jésus-Christ. Jesus Christ. À Benjerville, où j'étais, les gens m'appelaient « docteur ». C'est-à-dire que c'est un nom péjoratif. Je faisais les petits trucs. Et quand j'ai soutenu le doctorat, on dit, docteur Laoré, bonjour. J'ai dit, bonjour, ça va? Et le Seigneur m'a redonné l'honneur. Il m'a redonné la dignité. Bien-aimé, quand j'ai soutenu le doctorat, j'avais 44 ans. Les membres du jury ont dit à ceux qui étaient dans l'assistance qu'on doit vraiment féliciter ce monsieur. Il ne s'est pas découragé. Et j'ai dit vraiment dans mon cœur là-bas, il faut féliciter Jésus. Parce que ce n'est pas moi qui suis à féliciter. Et donc, au ministère de la Santé, c'est à 45 ans que les affectations s'arrêtent. Donc, vous savez de quoi il s'agit. J'ai une seule année maintenant pour être affecté. Et en 2015, je travaillais dans une clinique. Le patron de la clinique m'a dit, c'est le temps, va déposer tes dossiers. Je vais déposer mes dossiers. Et il y avait un dossier sur lequel ils avaient fait une erreur, sur mon nom. Et j'ai constaté cette erreur et il fallait aller à la justice, mais c'était la vacance judiciaire. Donc il fallait aller avec le dossier devant cette dame-là. Et je suis allé, j'ai pris le dossier. La dame a contrôlé soigneusement le dossier. Elle prend dossier par dossier, elle contrôle. Je vous assure que je suis là, je dis, hé Jésus, c'est ma dernière année. Et elle ferme tout le dossier, elle dit, c'est bon, ça peut aller. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Alors qu'il y avait une grosse erreur sur mon nom. Et en sortant, je me suis mis à courir parce qu'il ne faut pas qu'elle me rappelle après. Jésus-Christ. Et on m'affecte à Waninou, un centre de santé où tous les médecins qui étaient à Touba voulaient y aller. Bien-aimé, je suis arrivé à Waninou en tant que médecin-chef. Le Seigneur ne va pas s'arrêter là. Et il va encore continuer. Ça, c'est en 2016. En 2019, le 11 novembre 2019, il y a une note de service qui sort qui dit que je suis maintenant directeur d'hôpital général. Jésus-Christ. Jesus Christ. Gloire à Dieu. Et donc, maintenant, j'exerce en tant que directeur. Et
Je suis allé à la DAF. J'étais assis en salle d'attente. La dame m'appelle. Monsieur le directeur. Monsieur le directeur. Je sais pas, j'étais ébahi. Bon, j'étais là. Elle dit, mais c'est vous. Il dit, ah, c'est moi. Je suis le directeur. Et le Seigneur vraiment est merveilleux. Et je veux vraiment être reconnaissant au Seigneur. Parce que dans ces moments de difficulté, c'était des moments de débauche. Ma bien-aimée et moi, vraiment, nous avons souffert. J'ai soutenu mon doctorat dans un magasin d'aliments de poulet. C'est là-bas que toute ma famille et moi, nous habitions. On avait notre lit qui était là, il y a les enfants qui étaient là, et soutenait, j'avais ma machine, et c'est là, c'est comme ça que j'ai fait. Ma femme allait vendre le pain condiment, et elle revenait le matin avec mon pain. Moi, je m'occupais de mon travail. À midi, mon achéqué était là. Le soir, mon riz était là. Et vraiment, elle dit, toi, soutiens Solomon, c'est ce que moi je veux. Et vraiment, c'est une merveilleuse femme. Et elle ne se sent pas bien. Aujourd'hui, elle s'appelle, c'est la sœur Anne-Marie Sylvestre. Et nous avons vraiment fait le mariage en 2018. 2018, le pasteur Meyer Boniface a consacré notre mariage. Jésus-Christ. Donc vraiment, je voulais dire merci au Seigneur. Merci pour la délivrance authentique. Je dis bien délivrance authentique. Bien-aimé, je vivais dans la débauche extrême. Je dis extrême. Depuis l'âge de 15 ans, attaché à toutes ces histoires de pornographie. Et puis, c'était une vie de débauche, cigarette. Un mois, la bière même ne me suffisait plus. C'était l'alcool, l'alcool ferraté, le coutoucou. Mais le Seigneur m'a délivré authentiquement. Et vraiment, je vais lui être reconnaissant. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur bénisse ton obéissance. Que le Lord bless your obedience. Et que le Seigneur utilise ce témoignage pour susciter la foi en plusieurs. May the Lord use this testimony to raise faith in many. Dieu nous a révélé le phénomène de l'envoûtement. God has revealed to us the phenomenon of bewitchment. Et il nous a montré comment on désenvoûte les gens. And he has showed us how to deliver people from bewitchment. Il fait partie des premières personnes désenvoûtées. He is one of the first people who has been disbewitched. Il fuit l'école en septième année, la septième année de médecine. Il fuit. Quand tu dis Niaoré, la thèse, il te fuit. He escaped from school, that is seventh year in medicine school. When he said Niaoré, thesis, he just runs away from you. Nous allons lire dans les Saintes Écritures. We are going to read from the Holy Scriptures. Jean chapitre 7, verset 37 à 39. John chapter 7, verse 37 to 39. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Please let us stand. Lis rapidement ce passage biblique. Read this Bible passage quickly. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Alléluia. Alléluia. Qui est là pour la première fois? Levez d'abord les mains. Who is here for the first time? Raise your hand, please. Si y a quelqu'un parmi vous, if there is someone amongst you, qui prend la décision d'arrêter avec le péché maintenant pour adorer Jésus. Who decides to stop sin now to walk with Jesus? Les mensonges, l'immoralité, les querelles, les fétiches. Si tu es décidé, lies, telling, quarrels, immorality, que tu abandonnes cette vie-là. If you decide to stop that life, viens me trouver ici. Come in front, please. Parce que nous allons élever, nous allons prier sincèrement. Because we are going to pray sincerely. Et venez rapidement, s'il vous plaît. Please come quickly. Si tu veux abandonner ton péché pour servir Jésus. If you want to abandon your sin to serve Jesus.
Si tu veux abandonner tes péchés pour servir Jésus. If you want to abandon your sins to serve Jesus. Tu es décidé, tu es engagé. You are decided and you are committed. Jésus dit, Jesus says, celui qui croit en lui, he who believes in him, des fleuves de vive couleront de son sein. Rivers of living water will flow from his belly. Il dit celui qui croit en moi. He says the one who believes in me. Des fleuves de vie couleront de son sein. Rivers of living water will flow from his belly. Celui qui croit en Jésus. The one who believes in Jesus. Des fleuves de vie couleront de son sein. Rivers of living water will flow from him. Lève-toi et viens. Rise up and come. Lève-toi et viens. Rise up and come. Jésus va te donner la vie. Jesus will give you life. Et tu auras la vie pour donner à d'autres personnes. And you have life to give to other people. Donc, levez vos mains. Raise your hands, please. Dites, Seigneur Jésus. Say, Lord Jesus. Tu as dit dans ta parole. You said in your word. Que celui qui croit en toi. That he who believes in you. Les fleuves de vie vont couler de son sein. Rivers of living water will flow from his belly. Je suis là, Seigneur. Here am I, Lord. Je crois en toi. I believe in you. Je crois que tu es le chemin. I believe that you are the way. Je crois que tu es la vérité. I believe that you are the truth. Je crois que tu es la vie. I believe that you are the life. Je crois. I believe. Que si quelqu'un croit en toi. That if someone believes in you. Ton esprit va habiter en lui. Your spirit will live in him. Pour vivifier sa vie. To enliven his life. Pour vivifier son esprit. To give life to his spirit. Pour rendre cette personne capable d'obéir à Dieu. To make this person able to obey God. Je suis à toi, Seigneur. I belong to you, Lord. Pardonne tous mes péchés. Forgive all my sins. Mes péchés en parole, en pensée et en action. My sins in words, in thoughts and in deeds. Et pitié de moi, Jésus. Have mercy on me, oh Jesus. Levons nos mains et bénissons-les. Let's raise our hands and bless them. Prions que le dessein de Dieu pour eux soit accompli. Let's pray that God's purposes for them will be accomplished. Que le plan de Dieu s'accomplisse dans leur vie. That God's plans will be accomplished in their lives. Que le plan de Dieu s'accomplisse dans leur vie. That God's plans will be accomplished in their lives. Que le voie de Dieu leur soit révélé. That God's ways will be revealed to them. Qu'ils soient séparés des malédictions de leur famille. That they will be separated from the curses of their families. Les malédictions de la famille de leurs parents. The curses of the families of their parents. Et des beaux-parents. And their in-laws. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Nous écrasons. We crush. Les maladies. Sicknesses. Que ceux qui sont malades soient guéris. Let those who are sick be healed. Que ceux qui sont poursuivis par les démons soient délivrés. Let those who are pursued by demons be delivered. Délivrés. Delivered. Délivrés. Delivered. Delivered. Que les esprits de mort partent. Partez. Et l'esprit de mort part. Posez les mains sur vos têtes. Lay your hands on your head. Que ceux qui sont malades soient guéris. Let those who are sick be healed. Maladie. Sickness. Quittez ce corps. Quittez ce corps. Leave this body. Leave this body. Quittez ce corps. Leave this body. Quittez ce corps. Leave this body. Hallelujah. Hallelujah. Donc, vous êtes déjà des enfants de Dieu. You are already children. Levez les mains de vos têtes. Put down your hands, please. Brethren, la fin de cette croisade, the end of this crusade, a été orientée par Dieu lui-même. Was directed by God himself.
Dieu nous envoie en mission. God is sending us on mission. Chacun va en mission. Each one is going on mission. Au sein de sa famille. To his family. Et c'est ce que le Seigneur m'a révélé. That is what the Lord revealed to me. Vous connaissez comment les croisades se déroulent. You know how, crusades are carried out. We testify. On lit la parole. Read the word. On fait le combat spirituel. And we carry out spiritual warfare. On chasse les démons, on prie pour les malades. We cast out demons and pray for the sick. Mais ça sera autrement aujourd'hui. But today, it will be otherwise. Quand j'ai reçu l'orientation, when I received the orientation, j'ai dit à la sœur Colette, I told Sister Colette, les sœurs vont nous chanter le chant que le frère Zach avait chanté quand il nous envoyait en mission. That the sowers will sing for us the song that Brother Zach sang when he was sending us on mission. Il sera chanté en anglais et en français. It will be sung in English and in French. Je serai en train d'écouter. And I will be listening. Et de recevoir ministère. And I'll receive ministry. Et de répondre. And I'll answer. Tu écoutes. Listen. Tu réponds à Dieu. And you respond to God. Les fleuves d'eau vive. Rivers of living water. Vont couler. Will flow. Partout où tu seras. Wherever you find yourself. Nous écoutons ce cantique. Let's listen to this song. J'ai compté sur Adam, j'ai compté sur Caïn, j'ai compté sur Jonas, mais il fut refusé. J'ai compté sur I'm
chassé les démons, guérissé les malades, ressuscité les morts. Voici, je suis avec vous tous les jours. Tu feras pour l'accomplissement de notre but. Prends des engagements à faire des disciples. Oui, dans ta famille, parmi les tiens. Que tu dois résister à Satan en résistant à toute forme de tentation. Ton but sera show. Thank you.
on Jonah. I counted on Jonah. But he was the same. But he was the same. I counted on Judah. I counted on Judah. But he was proved untrue. But he proved untrue. But can you say I love you? No, don't tell me so. I'm counting on you. I'm counting on you. To my family. Prions ensemble. Let's pray together. Dieu Seigneur. Say, oh Lord. Remplis-moi du Saint-Esprit. Fill me with the Holy Spirit.
dit, Père, so Father, je veux, I want, que des fleuves d'eau vive, that rivers of living water, coule de mon sein, should flow from me, coule de mon sein, flow from my belly, remplis-moi, 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 fill me, fill me, fill me, continue à prier, pray, continue to pray. Oh Dieu, oh Père, so, oh Father, viens, come, enflamme-moi, enflamme-moi, set me ablaze, set me ablaze, enflamme les talents que tu m'as donné, set ablaze the talents that you've given me, enflamme les dons que tu m'as donné, set ablaze the gifts that you've given me, continue à prier, continue to pray. Dis Père, say Father, j'accepte cette mission, I accept this mission. J'accepte cette commission. I accept this commission. Envoie-moi, envoie-moi, envoie-moi. Send me, send me, send me. Envoie-moi, envoie-moi. Send me, send me. Envoie-moi avec des paroles. Send me with words. Envoie-moi avec des signes. Send me with signs. Envoie-moi avec des prodiges. Send me with wonders. Envoie-moi avec des miracles. Send me with miracles. Oh, envoie-moi avec la puissance. Oh, send me with power. Avec ta puissance. With your power. Avec ta puissance. With your power. Continue à prier. Continue to pray. Dis, oh Père, say, oh Father, prépare les cœurs, prépare les hearts, prépare les cœurs, prépare les hearts, débouche les oreilles, unblock ears, fais tomber les écailles, make scales to fall off, prépare les cœurs, prépare les cœurs, prépare les hearts, prépare les cœurs, 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 continue à prier, continue to pray. Ora bakasoro bakasara bakasoro baka. Dieu Père, say, oh Father, brise les résistances, break resistances, délivre de la religion, deliver from religion, délivre de l'amour de l'argent, deliver from the love of money. Délivre de la haine et des querelles. Deliver from hatred and quarrels. Qui mine nos familles. That. Oh, Père. Oh, Father. Ordonne. Command. Que les cieux répandent la justice. Ordonne. Command. Que les cœurs. That hearts. Des membres de nos familles. Of our family members. Reçoivent cette justice. Receive your righteousness. Reçoive sa justice. Receive his righteousness. Et qu'elle produise les repentants. And that it produce repentance. Qu'elle produise les repentants. Produce repentance. Et beaucoup de fruits. And many fruits. Continue à prier. Continue to pray. Nous allons prier en langue. We are going to pray in tongues. Si tu n'as pas le don de parler en langue, if you don't have the gift of speaking in tongues, lève tes deux mains. Raise your two hands. Tous ceux qui n'ont pas le don de parler en langue, all those who don't yet have the gift of speaking in tongues, tu vas parler en langue. You are going to speak in tongues. Dis, oh Père. Say, oh Father. Merci pour le Saint-Esprit. Thank you for the Holy Spirit. Merci pour ton esprit. Thank you for your spirit. Que tu as mis en moi. That you have put in me. Et dont tu me réveilles maintenant. And of which you clothe me. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Et je reçois les nouvelles langues maintenant. May I receive new tongues now. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus. Prie en langue. Parle, reçois et parle. Parle vite au nom de Jésus Christ. Receive and speak in tongues. Speak. Sans douter, sans crainte. Without demandez, vous êtes enfants de Dieu. Without doubting, without fear. As you are children of God, si tu n'as pas encore parlé en langue, if you have not yet spoken in tongues, reçois-le maintenant. Receive it right now. Et parle. And speak. Parle. Speak. Parle. Speak. S'il y a un démon, if there is a demon, qui veut te bloquer, which wants to block you, je le chasse. I cast it out. Je le chasse. I cast it out. Je chasse tout blocage. I cast out every je blockage. Je chasse tout blocage. I cast out every blockage. Je brise les blocages. I break the blockages. Je brise les blocages. I break the blockages. Je libère tes langues. I release your tongue. Je libère ton esprit. I receive, I release your spirit. Je libère ton esprit. I release your spirit. Si tu as déjà reçu ton parler, tu viens devant ici. If you have received your tongues, please come forward. Si tu as déjà reçu le parler, là tu viens devant. If you just received the gift of speaking in tongues, come forward.
Oui, si tu as reçu, tu viens devant. If you just received, please come forward. Tu viens parler ici. Come and speak in front. Oui, laisse-la, parle là, parle, parle. Yes, speak, si tu as reçu speak. Ton parler, tu viens. If you just received your gift of speaking in tongues. Ça, c'est la soirée du Saint-Esprit. This is the evening of the Holy Spirit. C'est la soirée du Saint-Esprit. This is the evening of the Holy Spirit. Reçois. Receive. Et parle. And speak. C'est la soirée du Saint-Esprit. This is the evening of the Holy Spirit. Les dons seront renouvelés. Gifts will be renewed. Les dons, la puissance. Gifts and power. Les signes, les prodiges. Signs and wonders. Venez, venez, venez en là. Come. Venez, 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 venez. Come. Oh Saint-Esprit. Oh Holy Spirit. Agis maintenant. Act now. Remplis, remplis. Fill. Enflamme et réveille. Set a place and reveal. La parole de Dieu dit. Ouvre ta bouche. Open your mouth. Que l'Éternel la remplisse. Let the Lord fill it. Venez ici. Please come here. Venez ici. Please come here. Oui, il a reçu ce pour lui. Laissez-les, ce ne sont pas les démons, c'est le Saint-Esprit. Leave them alone, it's not demons. Oh Saint-Esprit. Oh Holy Spirit. Travaille. Les autres regardent comme si c'est le secret. Les pasteurs doivent recevoir les capacités pastorales. The pastors must receive. Les évangélistes. Evangelists. Les intercesseurs. Intercessors. C'est le fusion de cet esprit. It is the pouring out of the Holy Spirit. Dès que tu reçois, tu viens. As soon as you receive, you venez, come. Venez. Come. Venez, venez. Come. Tu as reçu ton baptême, tu viens ici. And receive your baptism, come forward. La parole de Dieu dit. Word of God says. Ouvre ta bouche. Open your mouth. Que l'Éternel la remplisse. Let the Lord fill it. L'Éternel te remplit de langues. The Lord fills you with tongues. L'Éternel te remplit de langues. The Lord fills you with tongues. Ora kapa kashara kapa gala kapa gala. Oui. 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 Viens. Come. Le don est là. Jésus-Christ. Is there? Jésus-Christ. Jesus Christ. Jésus-Christ. Jesus Christ. Dieu, oh Seigneur. Say, oh Father. Enflamme, remplis, enflamme. Set a blaze and fill. Vous voyez la différence entre l'adoration du Saint-Esprit et les démons. You see the difference between the worship of the Holy Spirit. Ça c'est merveilleux. This is wonderful. Les autres venez. Let the others come. Où sont-ils? Where are they? Oui, avancez. Le Seigneur est en train de travailler. Yes, come forward. The Lord is working. Le Seigneur est en train de travailler. The Lord is working. Le bon Saint-Esprit. Gift of the Holy Spirit. Agis. Act. Si tu parles en langue sans interpréter, dis Seigneur, donne-moi l'interprétation. You speak in tongues without interpretation, ask the Lord to enable you to interpret tongues. Demande le don de guérison. Demande le don d'évangéliser. Demande le don pastoral. Demande le don. Demande ce qu'il te faut. Ask what you need. Pour bien servir Dieu. To serve God as you ought to. Demande ce qu'il te faut. Ask what you need. Pour bien servir Dieu. To serve God as you have to.
Demande ce qu'il te faut. Ask what you need. Demande ce qu'il te faut. Ask what you need. Dis oh Père. Say oh Father. Que le ciel se déchire. Rend the heavens. Dis pardonne ceux qui sont incrédules. Say forgive those who are unbelieving. Mais accomplis ta promesse pour chacun. But accomplish your promise. Accomplis ta promesse pour chacun. Accomplish your promise for each one. Accomplis ta promesse pour chacun. Accomplish your promise for each one. Jésus Christ. Jesus Christ. Jésus Christ. Jesus Christ. Lève tes deux mains. Raise your two hands. Dis Seigneur. Say Lord. Seigneur. Lord. Que la guérison entre en chacun. May healing get into each one. La guérison divine. Divine healing. La guérison divine. Divine healing. La guérison divine. Divine healing. Oh, qu'elle vienne avec les signes. May it come with signs. Les signes. Signs. Et les prodiges. And wonders. Nous accompagne. May they accompany us. Grant that we should break barriers. Permet que les démons soient chassés. Grant that demons should be cast out. Oh, que les morts ressuscitent. That the dead will be raised to life. Que les morts ressuscitent. That the dead will be raised to life. Oh, que les fleuves de vie, les fleuves de vie. The rivers of living water, rivers of living water. Les fleuves de vie, les fleuves de vie. Water, rivers of living water. Que les fleuves de vie. The rivers of living water. Coule de nous. Flow from us. Les fleuves de vie. Rivers of living water. Oh, Père. Oh, Father. Que les fleuves de vie. The rivers of living water. Les fleuves de vie. Rivers of living water. Coule de nos seins. Flow from my belly. Coule de nos seins. Flow from my belly. Pour remplir. To fill. Pour remplir. To fill. Le monde. The world. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Si tu as un handicap. If you have a handicap. Dans le passé. In the past. Quelque chose qui te rendrait faible. Something that made you weak. Et qui t'empêchait de servir Dieu. And which hindered you from serving God. Dis Seigneur. Say Lord. Corrige mon être. Correct my being. Guéris mon âme. Heal my soul. Guéris mon esprit. Heal my spirit. Si tu es lâche, si tu trembles devant les gens, dis je veux le courage. If you are a coward and you tremble for people, say I love courage. La force, la force. Strength, strength. La hardiesse, la hardiesse. Boldness, boldness. La ferveur, la ferveur. Fervor, fervor. Dis Père. Say Father. J'abandonne la lâcheté. I abandon cowardice. Pose les mains sur ta tête. Lay your hands on your head. Dis Père. Say Father. Bénis-nous. Bless us. Financièrement. Financially. Bénis la communauté. Bless the community. Financièrement. Financially. Prions en langue. Let's pray in tongues. Dis Père. Say Father. Satan veut qu'on soit pauvre. Satan wants us to be poor. Nous disons non. We say no. Pose les mains sur ta tête. Lay your hands on your head. Bénis-nous. Bless us. Qu'il y ait parmi nous des grands hommes d'affaires. May there be amongst us great businessmen. Qui aient des grandes personnalités. Who have great personalities. Qui aient des grands, des riches, des riches. May we have great men, rich men, rich men. Qui aient des pauvres. May there be poor men. Qui aient des riches. May there be de telle sorte que les pauvres ne verront plus leur pauvreté. Such that the poor will no longer see their poverty. Oh Père. Oh Father. Nous jugeons les plans de Satan. We judge the plans of Satan. Qui veut voler tout ce que tu lui as donné. Which wants to steal all that you've given us. Dis oh Père. Say oh Father. Qu'il y ait des diplômes, des grands diplômes parmi nous. May there be great certificates, diplomas amongst us. Libère les thèses de ceux qui sont bloqués. Release the dissertations of those that are blocked. Libère, libère. Release, release. Continue à prier. Continue to pray. Veuillez vous asseoir. Please be seated.
Pendant que tu es assis, while you are seated, demande trois choses. Ask for three things. Qui ne sont pas sur la liste. Which are not on the list. Je vous dis la vérité. I tell you the truth. Ce qui s'est passé ce soir, what happened this evening, c'est ce que le Seigneur voulait. Is what the Lord wanted. Ce renouvellement du Saint-Esprit. This renewal of the Holy Spirit. Cette commission dans nos familles. This commissioning to our families. Comme nous avons accepté, since we have accepted it, il ne nous abandonnera jamais. He will never abandon us. Chacun va remarquer, each one will realize, dans sa vie que quelque chose s'est passé. In his life that something has happened. Ceux qui parlent peuvent déjà partir. Those who just spoke in tongues a while ago can go back to their seats. Vous voyez qu'il y a une différence entre ceux qui reçoivent le Saint-Esprit et ceux qui ont les démons. Vous voyez la différence. You see that there's a difference between those who receive the Holy Spirit and those who manifest demons. Et je vous dis, and I tell you, beaucoup de démons sont en train de partir. So many demons are going away, are fleeing. Certains veulent qu'un insecte les pique pour qu'ils sentent que quelque chose s'est passé. Some people want that an insect should bite them so that they should know that something has happened. Est-ce que tu crois que Dieu t'a visité? Do you believe that God has visited you? Tu es béni. You are blessed. Nous allons donner à Dieu pendant que nous prions. We are going to give to God while we pray. Tu peux même ajouter un vœu. Tu dis à Dieu, si tu me bénis, je te donne telle chose. C'est une transaction personnelle. You can even add a vow. You tell God, if you bless me, I will give you this. It's a personal transaction. Ne lui dis pas que je te donne ceci pour que tu me bénisses. Non. Don't tell him that I'm giving you this for you to bless me. No. Quand il t'a déjà béni, when he has already blessed you, tu peux lui donner des actions de grâce. You can give him thanksgiving. Quand tu demandes, when you ask, tu peux faire un vœu. You can make a vow. Mais on n'achète pas l'exaucement. But we don't buy answers. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? C'est le dernier jour. Today is the last day. Et Dieu va nous aider pour arriver dans nos domiciles. And God will help us to get to our homes. Si nous ne bénissons pas la nation et les nations, the nation and the nations, parce que s'il y avait les problèmes en France, les frères n'allaient pas venir. Because if there was a problem in France, our brethren would not be here. Toutes les nations qui sont représentées ici, all the nations that are represented here will be lifted up to God. Les semeurs. So us, please. Chantez-nous encore ce chant. I counted on Adam. I counted on Cain. Sing this song to us again. I counted on Adam. I counted on Cain. Lis d'abord les paroles en français pour que les gens écoutent. Read the words in French so that people will listen to them. Non, sans musique. J'ai compté sur Adam. J'ai compté sur Cain. J'ai compté sur Jonas, il a été infidèle. J'ai compté sur Judas, mais il m'a trahi. Va dire à mon peuple, je compte sur lui. J'ai compté sur Adam, j'ai compté sur Caïn. J'ai compté sur Jonas, mais il fut infidèle. J'ai compté sur Judas, mais il m'a trahi. Va dire à mon peuple, je compte sur lui. Va dire à mon peuple, je compte sur lui. J'ai compté sur Adam. J'ai compté sur Caïn. J'ai compté sur Jonas, mais il fut infidèle. J'ai compté sur Judas, mais il m'a trahi.
je compte sur lui. Tenons-nous debout. Let us stand, please. Tu lèves la main. Raise your hand. Tu demandes que le Seigneur bénisse chaque nation qui est représentée ici. And pray that the Lord bless every nation that is represented here. Avec la paix. With peace. La santé. Health. La victoire sur les pandémies et autres. Victory over pandemics and the rest. Prions ensemble. Let's pray together. Père, nous bénissons chaque nation qui est représentée ici. Lord, we bless every nation represented here. Nous bénissons la nation ivoirienne. We bless the Ivorian nation. Avec la paix, une paix profonde et totale. Let peace, total and deep peace. Et prospérité. And prosperity. Et la victoire sur la pandémie COVID-19. Victory over the COVID-19 et la pandemic. Victoire sur les autres maladies. And victory over other sicknesses. Nous bénissons la France, nous bénissons la France, nous bénissons le Gabon. We bless France, we bless Gabon. Nous bénissons le Sénégal. We bless Senegal. Nous bénissons le Bénin. We bless Benin. Nous bénissons le Togo. We bless Togo. Nous bénissons l'Allemagne. We bless Germany. Quelle autre nation j'ai oublié? Nous bénissons la Belgique. We bless Belgium. Nous bénissons le Cameroun. We bless Cameroon. Que la paix règne dans ces nations. May peace reign in these nations. Qu'il y ait la santé pour la population. May there be health for the population. Qu'il y ait la prospérité. May there be prosperity. Pour le bien-être de chacun. For the well-being of each one. Oh Père. Oh Father. Qu'il n'y ait pas de terrorisme, mais pas de violence. May there be no terrorism and no violence. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Pose les mains sur ta tête. Lay your hands on your head. Que le Seigneur se souvienne de toi. May the Lord remember you. Qu'il se souvienne de ce qu'il t'a promis. May the Lord remember that which he has promised you. Que ton âme se répande devant lui. May your soul be spread before him. Comme une libation. As a libation. May it be poured out before him as a libation. Qu'il connaisse tes craintes. May he know your fears. Qu'il connaisse tes frayeurs. May he know your frights. Qu'il descende. May he come down. Pour combattre pour toi. To fight for you. Qu'il fasse pour toi ce qu'il a fait pour David. May he do for you what he did for David. Que tes lèvres chantent ce cantique. May your lips sing his songs, his hymns. Que l'Éternel m'a secouru. That the Lord helped me. Au jour de ma détresse. On my day of trouble. Qu'il m'a délivré de mon adversaire. That he delivered me from my enemy. Qui était plus puissant que moi. Who was stronger than me. Oh, que des pareils cantiques se multiplient dans ta vie. May such hymns be multiplied in your life. Que la droite du Seigneur soit avec toi. May the right hand of God be with you. Que tu jouisses du calme. May you enjoy calm. De la tranquillité. Quiet. Du repos. Rest. Et de l'assurance. And assurance. Que son armée campe. May his army camp. Auprès de toi. Around you. Pour t'arracher du danger. To snatch you from danger. Que tes adversaires. May your adversaries. Soient toujours dispersés. Always be scattered. Que toutes leurs armes soient brisées. May all your weapons be broken. Que la terreur de Dieu te précède toujours. May God's terror always go before you. Que la terreur de Dieu te précède toujours. May God's terror always go before you. Que tes mains soient fortifiées. May your hands be strengthened. Pour toutes sortes de batailles. For all kinds of battles. Pour manier toutes sortes d'armes spirituelles. To handle all kinds of spiritual weapons. Que le Seigneur te délivre des hommes jaloux. May the Lord deliver you from jealous men.
Que le Seigneur te délivre des gens pervers. May the Lord deliver you from perverse men. Que le Seigneur te délivre de la malédiction de l'homme. May the Lord deliver you from man's curses. Que le Seigneur te délivre de leurs complots. May the Lord deliver you from their conspiracies. Que tu brilles, que tu brilles, que tu brilles. May you shine, may you shine, may you shine. Que tu brilles, que tu brilles, que tu brilles. May you shine, may you shine, may you shine. Que tout ce que le Seigneur a montré en vision. May all that the Lord has shown in visions. Vienne à l'accomplissement dans ta vie. Come to accomplishment, to fulfillment in your life. Vienne à l'accomplissement dans ta vie. May that be fulfilled in your life. Que ta guérison, may your healing, ta délivrance, your deliverance, ta libération, your soit cachée dans le sang de Jésus. Be hidden in the blood of Jesus. Quand l'ennemi viendra pour voler quelque chose, when the enemy comes to steal anything, que l'épée de l'Éternel le frappe, may the sword of the Lord strike him, et que tes mains soient fermées, and may your hands be strengthened, que tes pieds soient fermés dans la justice, may your feet be strengthened in righteousness. Que ceux qui espèrent que tu vas glisser et tomber espèrent en vain. Let all those who think that you slide and fall, hope in vain. Parce que le Seigneur te soutiendra. Because the Lord will back you. Le Seigneur te soutiendra. The Lord will back you. Le Seigneur remplira ton cœur de bonnes pensées. The Lord will fill your heart with good thoughts. Le Seigneur remplira ton âme de beaux désirs. The Lord will fill your soul with good desires. Le Seigneur te préservera de la convoitise. The Lord will preserve you from covetousness. Il te préservera de la convoitise. He will preserve you from covetousness. Le Seigneur te donne un cœur nouveau. The Lord gives you a new heart. Un cœur nouveau. A new heart. Rempli d'amour pour lui. Filled with love for him. Rempli d'amour pour tes frères. Filled with love for your brethren. Rempli d'amour pour les âmes perdues. Filled with love for lost souls. Le Seigneur te change de l'intérieur. The Lord changes you from inside. Le Seigneur te change de l'intérieur. The Lord changes you from inside. Le Seigneur te change de l'intérieur. The Lord changes you from inside. Le Seigneur te donne son caractère. The Lord gives you his character. Il te donne son caractère. He gives you his character. Il te donne son tempérament. He gives you his temperament. Il te monde. And he monde. He prunes you. He prunes you. Le monde. The Lord prunes you. Pour que tu deviennes meilleur. So that you become better. Le Seigneur te révèle ses desseins. The Lord reveals his will to you. Le Seigneur dit, je vous sanctifie. The Lord says, I've sanctified. Je vous sanctifie. I sanctify you. Je fais de vous une sainte demeure. I make of you a holy dwelling. Mon esprit sera avec vous. My spirit will be with you. Mon esprit sera avec vous. My spirit will be with you. Le Seigneur dit, ne crains rien. The Lord says, fear nothing. Ne crains rien. Fear nothing. Ne crains rien. Fear nothing. Il dit, ma relation avec toi. He says, my relationship with you est fondée sur l'amour éternel. Is founded on eternal love. Est fondée sur l'amour éternel. Is founded on eternal love. Je ne t'abandonnerai jamais. I will never abandon you. Je t'abandonnerai jamais. I will never abandon you. Et si tu tombes, he says, if you fall, je vais te relever. I will raise you. Si tu tombes, if you fall, je vais te relever. I will raise you. Et si tu pèches contre moi, he says, if you sin against me, je vais te frapper. I will strike you. Mais je vais te relever. But I will raise you. Je vais te frapper. I will strike you. Je vais te relever. But I will lift you up. Mais je ne t'abandonnerai jamais. I will never abandon you. Je 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 dis dans ma parole, I say my word, que je ne tiens pas la main qui fume encore. That I will not put off the stick that is still. Je veillerai sur toi. I will watch over you. Je veillerai sur toi. I will watch over you. Tu seras mûr. You will be mature. Tu seras mûr. You will be mature. Tu seras ferme. You will be firm. 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 Amen. Amen.